Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur News Daily. Et bien, nous faisons apprendre là que finalement, le rapport sur Border Patrol sous Cheval et qui était malmené haïtien. Image ça qui paraît l'aide qui était rappelé en pile monde, temps d'esclavage. Investigation ça qui était pris en pile temps finalement. Yo bay rapport là. Qui ça a conclu? Yo conclu que Bode agent utilisé et force qui pas nécessaire. En d'autres termes, en fait, on est dans toute situation qu'on va gérer. Donc, en d'autres termes, il dit que li pas vraiment proportionnel ça t'a fait. Li pas nécessaire pour utiliser ce genre de force. Et investigation a montré tout et communication et commandement. T'es qu'en absence de communication et commandement et yo condamné incident ça. Donc pas oublier que yo prend des mesures disciplinaires contre agent. Donc yo dit li utiliser et des forces qui pas nécessaires contre haïtien migrant et sous frontière Mexique là. Donc Federal Report ça et montrer que après drame ça, qui un drame grand pile monté parce que c'était dramatique dans Rio Grande et tout le monde était condamné. Et tout le monde te dit il faut que et gain ça nous relé on parle de responsabilité. Un rapport qui gagne 511 pages qui ont metté dehors hier vendredi a. US Customs Border Protection blâmé ça relé en absence de commande de contrôle et de communication pour agent qui utilisait Chevalier pour lui bloquer et pousser et migrants ça au bac dans rivière. Événement ça qui t'est passé septembre année passée et vidéo photo 19 septembre incident ça fait le temps cool paraître que agent yo justement t'a prend cordio bataïsien ça qui t'est causé un outrage en pile groupe cap défend immigrant groupe cap défend droit des leaders cap défend droit moun dans plusieurs occasions. Et agent ça qui t'est monté et qui t'est monté utiliser force et menacé pour yo passer sous migrant en fait comprendre bien yo dingue doit pas passer mais yo menacé comme quoi pour te faire cheval yo pilonner passer sous moun ça pour voyer moun yo tourner moun yo back dans rivière et Grandea malgré que migrant yo t'en bien t'es déjà aux États-Unis. Madame Davle nous comprendre histoire. Et c'est ça pour nous comprendre au niveau de la loi. Border Patrol et yo là pour surveiller frontières. Contrairement à ça monde penser, yo pas là pour yo. Et pas même là pour bloquer monde même, yo pas là pour pousser monde même. Ça faut nous redire ça n'a dit encore. Border Patrol, il pas job lui là pour, il pas job lui pour l'empêcher traverser frontières, non? On m'a dit tout, on m'a trouvé ça curieux, c'est pas job lui non pour les deux pour l'empêcher traverser frontière ou bien pour le pousser pour le pas passer là et pourtant il relé le Border Patrol il là pour contrôler frontière là mais il pas gain ken job pour empêcher souvler traverser seigneur ça vous comprendre so job li maintenant une fois qu'on traverse ou sous contrôle li en d'autres termes une fois qu'on traverse lui même li capron l'accompagner mais non côté pour maintenant ça qui arrive qu'il mène en prison et autres li pa gen droit pour li empêcher tant que j'en ai qui t'as essayé faire des forces essayer courir avec cheval là comme quoi pour passer sous nèg pour faire back yo t'es perdu rôle yo et faut clair faut moun yo comprendre job Border Patrol là parce que gen des moun en fait Donald Trump ou bon l'autre encore yo t'es confuse ça yo t'es pensé que un Border Patrol capable pour son moun ou pas capable faire ça. OK. Et bah c'est mouné déjà, depuis mouné déjà aux États-Unis, pas grand pour faire. Non, c'est pour yo et puis faire procédure pour attendre, faire déclaration, faire papier pour yo. OK. CBP commissionnaire Chris Manius dit pendant une conférence de presse que t'a bail administration et président Biden te promet yon full investigation et après plusieurs moun nan parti démocrate là t'es vraiment et énervé objecté pour tactique ça et qui t'est utilisé
malgré yoté justement prêté serment pour yoté démarqué yo de stratégie et Donald Trump te qu'on a utilisé et qui c'est un hardline policy en immigration et image qui était capturée par Al Jazeera dans temps montrer que officier ça qui était monté sous chevalier tant qu'un cowboy chapeau bloqué route pour migrants yo. Et un officier justement te tap infurio di mauvais mot ça sent l'autre bagaille. Yo di mauvais mot dit comment ça va traiter et comment ça va traiter famille comment ça va traiter madame ou vous comprenez so, tout ça la donne image ça qui t'est soulevé on levé campé nationwide backlash t'est demandé pour faire investigation investigation conclut que et t'es gagné justement failure t'es gagné échec et dans plusieurs niveaux dans agencia t'es gagné une absence de politique appropriée et des politiques et des formations donc obligé à faire des training additionnels pour monsieur Zao. Pas oublier que depuis les atouts il aurait dit considérablement cette histoire que et border patrol sous cheval presque pas gagné ça il pensait que nèg yo pas de professionnel et très dangereux comportement pour plusieurs agents d'après ça on fait qu'on est rapport là justement il pas dit que il était bail émigrant ou coûte Saint-Iron et autres OK. Et si le rapport a souligné que agent yo te gen des comportements qui pas approprié à l'égard de haïtien yo yo te lancé des mauvais propos de profanité insulté et en fait yo te dit des mots qui étaient liés à origine nous en tant que haïtien et yo te utilisé des forces qui vraiment pas nécessaires et lorsque haïtien ça t'a tenté entrer aux États-Unis avec manger donc détermination fait qu'on est que il y a un agent qui t'a agi de manière professionnelle lorsqu'elle t'a redit, dénigré, offensé des commentaires concernant nationalité, non, d'après rapport ça. Investigation, joint tout, que y a un agent sous cheval t'a grab, avait dit, t'a attrapé un nègre, li spinni à on, et li agi dans une façon qui pas de sécuritaire lorsqu'elle t'a poursuivi moun ça. Li relé sous yon nan sous rivière là, forcé cheval là qui était presque passé sous yo et donc voilà et donc qui vient faire que eh bien monsieur ça yo prend des sanctions disciplinaires yo pas révoqué yo pas faire des training pour justement yo et en fait pour justement pour capable prendre main yo pour des pour occasion comme ça pas respecté. Donc voilà mes rapports justement que au bail sous comportement et border patrol ça et qui gagne des mesures disciplinaires et autres pour action ça. Et entre temps Fondou pendant la parlé sous frontière là, nous connaît que il y a en pile discussion sous frontière là, nous connaît ça à bord faire et Maison Blanche dit que ça à bord a fait là, c'est chaos l'a créé. Nous songeons on l'air à bord mettez en fait gros camion, dit c'est gros camion cap entre Mexique en fait cap entre Texas faut contrôler bah ça c'est tellement vinn bay blocus moun yo relé en boy un bande businessman marchandise qui pour entrer a gâté monsieur était obligé bay vague vous comprenez nan folie contrôler donc Maison Blanche dit que monsieur Abbott a créé chaos sous frontière là et li supposé retirer col parce que ça nous relé immigration c'est pas responsabilité state. Et c'est ça Karine Jean-Pierre porte-parole Maison Blanche qui t'a et prend question et maintenant il demande à bord mais est-ce que Biden gagne en démarche légale qu'il va le faire et plan légal en réponse des exécutifs order qui à bord prend qui autorise law enforcement officiel National Guard pour appréhender illégal migrant mené au sous border là et Jean Diac Karine Jean-Pierre dit moi redis encore immigration, c'est un dossier qui n'a même autorité fédérale. State, pas supposé, Medline, pas supposé mélanger, et non bagage. Ça, spécialement, gouverneur Abbott, qui a l'habitude de causer chaos, problème, confusion sous frontière. Donc, en ce qui a trait avec des démarches légales, pour t'apprendre contre Abbott dans sa l'affaire, ma préférée, et adjoint responsable du département de la justice là, pour qu'on ait qui ça va le faire, puisque moi-même, moi, c'est porte-parole. Mais encore une fois, immigration, c'est un dossier
fédéral. Donc c'est réponse Biden par rapport à Bot qui ces derniers jours chauffé dans bon nan konn monsieur gain intention président tout et créer vraiment chaos. Donc voilà guys, nous té poté update là pour n'a fait effort hier nous pas live, nous té supposé live et nous pas live jeudi tous les mercredis monsieur manque une live. Donc je dis à samedi n'a fait effort pour nous capable live ensemble avec vous. Bye bye tout le monde.